الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui lui accorde nous la connaissance qui est profitable et les protège nous contre une connaissance qui n'a pas bénéficié nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et de nous la sincérité dans la parole et dans l'action. Nous faisons arrive 42e hadith de Arba'oun al-Nawawiyya, et c'est sa même dernier hadith qu'Imam al-Nawawi fait compiler. Donc aujourd'hui c'est le dernier hadith, mais Inch'Allah, demain nous pouvons continuer un hadith qu'Imam Ibn Rajab fait ajouter. Comme nous faisons déjà expliquer, Imam al-Nawawi de ce Arba'oun al-Nawawiyya, c'est ce qu'il nous appelle 40 hadiths de Imam al-Nawawi, au fait d'un 40 hadith, et Ibn Rajab al-Hanbali, Imam Ibn Rajab al-Hanbali, il finit explique ce 40 hadith là, et il finit ajoute encore 8 hadiths, et il finit explique ce 8 hadith là. Donc pour aujourd'hui, nous pouvons terminer avec Arba'oun al-Nawawiyya, ensuite demain, nous pouvons continuer, nous prenons à partir ce qu'Ibn Rajab finit ajouter. Donc aujourd'hui, c'est 42e hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissance qui est profitable. Donc nous lisons hadith là toujours, ensuite nous guettons une explication qui est là de ce hadith là. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنس بن مالك رضي الله عنه جيكي لفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا قال الله تعالى اللفن جيا donc c'est un hadith قدسي اللفن جيا يا بن آدم أو زنف آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. Certainement, aussi longtemps aux enfants Adam, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux enfants Adam, aussi longtemps qu'ils te pour invoquent moi, te pour demandent moi dua et te prennent l'espoir dans moi. Ghafartulak, moi vous pardonne toi. Ala ma kana minka. Peu importe qui manque, moi te finina. Wala ubali, et ça n'a pas pour fat. N'a pas pour, comment nous dire, d'un langage humain, comment nous dire, moi vous casse la tête. Une expression qui est une servie, ne pas casser la tête, veut dire, Allah peut dire, aussi longtemps aux enfants Adam qui te pour invoquer moi et te pour dans l'espoir en moi, me pour pardonner toi, peu importe qui péché qui te fait faire. Et ça, pas pour dire, moi non, ni ça. Yabna Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. Aux enfants Adam, si tu ban péché li atteindre ban nuage dans le ciel, ensuite, te demande-moi pardon. Moi, vous pardonne-toi. Yabana Adam, aux enfants Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'a, la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Aux enfants Adam, si tu viens avec moi, tu ne remplis sa latiela avec péché. Sa ard, sa latiela, sa planète-là, tu ne remplis-lui avec péché. Tu viens avec moi avec sa quantité de péché-là. Et te joigne avec moi, tu ne pas finir ceci avec moi. La ataytuka bi qurabiha maghfiratan, sa quantité l'aime maghfirat, pardon, moi pour venir vers toi. Sa quantité l'aime pardon, moi pour contre toi. Hadith rapporté par Imam al-Tirmidhi. Et Imam al-Tirmidhi, il dit, c'est un hadith qui est hassan. Donc, premièrement, on trouve un narrateur de ce hadith-là, sahabi, qui rapporte ce hadith-là, c'est Anas ibn Malik. Comme on le fait déjà, passe l'eau. Le détail biographique de Anas ibn Malik, c'est un grand sahabi qui fait khidmat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore très petit, les finresse avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam pendant à peu près 8 ans, les finresse de khidmat de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour lui, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Oh Allah, donne-lui beaucoup du bien, beaucoup d'enfants et prolonge la vie. Anas ibn Malik, sa doua là qu'il finit gagner avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous te dire, les temps le Rasul alayhi wa sallam vint de Medina, Anas, son maman, au Moussoulaim, tout le temps nous dit, ben frère, ben soeur, surtout ben soeur, lié la vie de sa madame là, maman de Anas ibn Malik. Elle rôde sur la vie de l'internet, je te lié lui, subhanallah, il y a beaucoup de leçons à tirer dans la vie de sa madame là. Alors, Anas ibn Malik, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait sa dua là pour lui, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ou Allah,
donne-lui beaucoup mal, beaucoup la richesse. Oh Allah, donne-lui beaucoup d'enfants. Et oh Allah, donne-lui longue l'existence, donne-lui longue la vie. Et au fait, Imam al-Zahabi, il dit, c'est même dernier Sahaba qui fait le mot. Quand tout le Sahaba fait disparaître, fait commence à quitter sa dunya là, les mêmes dernier Sahaba qui fait quitter sa dunya là. Et Anas ibn Malik, par barakat des doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait il a vraiment beaucoup d'argent et il fait il a beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et lui-même les dire, il fait mentionner, je ne me rappelle exactement ce ban enfants et ce ban petits-enfants, il fait mentionner le chiffre, n'oubliez, mais en tout cas, il a beaucoup d'enfants et petits-enfants. Alors, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, et lui-même, il dit que Rasul alayhi wa sallam, il fait une résidence dans Khidmat de Rasul alayhi wa sallam. Il dit jamais, Rasul alayhi wa sallam, il dit à moi, qui fait une faire ça, qui fait pas une faire ça. Il tient ses invités pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un khadim. Et malgré qu'il est petit, il ne connaît un du monde quand il est encore petit, il est encore aux enfants, il est encore jeune, il fait beaucoup rire. Mais il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais, il dit, qui fait une faire ça, qui fait pas une faire ça. Alors, il trouvait parfois un du monde. Il a beaucoup, il a sa mentalité, jamais les satisfait, les contentir, surtout celui qui agit comme ça avec celui qui travaille avec lui, les humilier celui qui travaille avec lui, le travail qu'il fait pour lui, il n'est pas satisfait. Qui fait une fêlée comme ça, qui fait pas une fêlée comme ça? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tient du monde très indulgent. Jamais le prophète finit, qui fait une fêlée ça, qui fait une fêlée ça, qui fait pas une fêlée ça. Ça, c'est le caractère du prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit par Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radiyallahu anhu fin dia ki li fin tan Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam dia qala Allah Allah fin dia. Donc c'est appelé ça hadith qudsi. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah fin dia, appelé ça hadith qudsi. Yabna Adam. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresser avec les enfants Adam. Moi ou ses enfants Adam. Alors là, nous trouvons c'est un honneur, ça qu'Allah Ta'ala lui adresse nous directement. Yabna Adam, aux enfants Adam. Aux enfants Adam. Mais comment Allah Ta'ala in honore nous. Allah Ta'ala appelle nous enfants Adam. Nous trouvons encore un hadith que Allah Ta'ala dit Yabna Adam, aux enfants Adam. Et Allah Ta'ala fin honore aux enfants Adam, fin honore insan. Walaqad karramna bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, wa razaqnahum min at-tayyibat. Allah Ta'ala dit, nous finissons nos enfants Adam et nous finissons la terre et la mer. Mais dit, Allah nous donne les animaux pour les monter la terre et la mer, finissons donne les bateaux, finissons enseigner, comment pour maîtriser ça, qui tu ça. Allah met les animaux à sa disposition, les voyager la terre, les animaux. Allah nous montre comment les pousser vers la mer pour les voyager, les finir en bateau. Allah dit, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ nous finissons les enfants Adam, la terre et la mer. Aujourd'hui, nous avons même insan il gagne l'esprit pour ses vies avions. Warazaknahum min at-tayyibat. Allah Ta'ala nous donne une bonne quittance pour nous manger. Get des animaux, il peine l'esprit lui. Quand il peut manger, qu'il est bien manger. Ce qui dit moi, ils étaient. Ou bien des animaux morts, il peut trouver un sac, il peut manger un lira, il peut manger un autre animal, il peut manger un autre quittance qui est mal propre. Mais Allah Ta'ala dit, Warazaknahum min at-tayyibat. Nous faisons deux enfants, des enfants Adam, des toyibat, des bonnes quittances pour manger. Alors, nous trouvons, du monde mange tout cas tes affaires, tout quitteuse, hein, nous trouvons malade apparaître. Mange les rats, si pas mange, mange pas serpent, si pas mange, si pas quitter. Allah Ta'ala, il peut dire, wa razaqnahum min at-tayyibat. Allah Ta'ala, kulu min at-tayyibat et ma razaqnahum. Comme dans le Coran, Allah donne nous l'autre pour manger ban bon quitteuse. Ban j'ai nous, elle mange ban mal propreté. C'est qu'aujourd'hui, nous trouvons, du monde bien manger, après dire, il ne mange pas souris, si pas quitter. Après, c'est pas qu'il malade, il gagne. Allah Ta'ala dit وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا et nous faisons deux enfants Adam la supériorité le beaucoup de créatures qui nous font créer. فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا فَضَّلْنَا تَفْضِيلًا et dans le mot, il y a le verbe, après elle met la forme nominale. Mais il y a l'emphase de la langue arabe. Quand il apprend la langue arabe, quand il apprend langage arabe, je te connais, Allah Ta'ala la forme nominale, tafdila, un masdar, comment le dire, et pour montrer comment Allah Ta'ala donne nous la supériorité de les autres créatures. Subhanallah, insan, quand il réfléchit lui-même, quand nous réfléchissons nous-mêmes, Allah Ta'ala donne nous tout le bon qui pour manger, Allah donne nous l'intelligence pour faire ban moyen de transport,
Allah t'a donné l'intelligence par an, la case, ne pas vivre n'importe quelle place. Vraiment, Allah t'a donné aux enfants Adam. Et Allah t'a donné, il peut dire, Yabna Adam, aux enfants Adam. Aux enfants Adam. Mais comment Allah t'a donné, adresse nos robes, il adresse avec nous. Qui Allah est pour dire nous comme ça? Allah peut adresse nous. Qui Allah est pour dire nous comme ça? Inna kama da'outani wa rajoutani, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Aux enfants Adam, certainement, aussi longtemps qu'il te invoque moi, da'outani wa rajoutani, tu gardes l'espoir au moi. Ghafartu laka, moi pour pardonne-toi. Ala ma kana minka, peu importe manquement qui te finit capable de faire. Nous connaissons ce hadith quand il y a un djimoun, l'in tué 99 djimoun. L'in tué 99 djimoun de Ben Israël. Ça djimoun là, il peut envie qu'on ait qu'il y a pour faire, il peut envie de pardon, il peut envie de tauba. Il y a le djimoun avec un djimoun, il y a le djimoun avec un quelqu'un, une personne qui n'a la connaissance. J'ai dit comme ça, est-ce qu'il y a là pour pardonner moi? Djimoun là, j'ai non, il n'y a pas pardonné toi. Il tue ça djimoun là aussi. Faire 100 djimoun, il finit tué. Alors, il continue, il y a avec un autre du monde, il y a à telle place, pour dire avec un tel, il donne-toi réponse. L'État, il peut diriger, il fait ça à l'endroit là, pour y avoir une réponse, il parle là, pardonne-lui, qui est arrivé, les mots en chemin. Alors, là, Allah Ta'ala, dans le hadith, en bref, Allah Ta'ala fait une pardonne-lui. Allah Ta'ala, il pardonne ça du monde là, malgré qu'il ait fini tuer 100 du monde. Alors Allah Ta'ala lui pardonne, Allah SWT, aussi longtemps, innaka ma da'outani, aussi longtemps qu'il te invoque moi, wa raja'outani, et te garde l'espoir au moins. Et du monde jamais il perd l'espoir, Allah SWT. Peu importe le péché qu'il est fin capable de faire. Ben sahaba radiyallahu anhum ajma'in, sa peuple arabe là, nous connaît dans quelle situation tu peux vivre, nous connaît quel des péchés que tu peux commettre. Nous connaissons ce qui est dans qui basse, ce qui je peux vivre dans Jahiliya. Mais qui je finis venir? Je finis venir meilleur du monde. Je peux ado idole. Plus grave qu'ado idole, pénin ça. Plus grave qui verse 10 ans du monde ça. Shirk. Allah, il n'a pas pardonné shirk. Mais par contre, shirk, un du monde, Allah n'a pas pardonné shirk. Mais autre que ça, Allah t'a pas pardonné. Mais Saban Sahaba là, je suis dans le shirk, dans l'époque où on va se voir l'islam, Saban Arabe là, avant de voir l'islam, je suis dans le shirk, tu peux faire dominer avec ce qui est plus faible, tu peux boire, je suis dans Zina, je peux tuer d'autres enfants, je peux hanter d'autres filles vivantes. Mais seulement, arrive un moment quand je sans et je n'embrasse l'islam, Allah dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Je te mets meilleur du monde qui Allah fait tirer depuis l'humanité. Subhanallah. Et comment Allah Ta'ala transforme un peuple. Mais Allah n'est pas Allah Ta'ala n'est pas difficile pour Allah Ta'ala de polissant nous. Nous nous faisons beaucoup péché, nous nous salions nous. Mais est-ce qu'il est infini pour nous compte? Non, jamais. Jusqu'à ce que Sakrat n'a pas encore pris nous. La porte tauba encore ouverte. Inna Allah yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughargir. Allah certainement il accepte tauba du serviteur aussi longtemps ma lam yughargir. Aussi longtemps qu'il va faire gargara. Mais du monde qu'il est dans sa crâne, il gratte sur la gauche. C'est ce qu'on appelle yughargir. Dans ce moment-là, quand il commence à gratter sur la gauche, sur la vie, qu'alla idha balagat al-hulqum, quand ça la vie là, il monte que ça la gauche là, ça roule là. Là, c'était la porte fermée, la porte tauba close. Mais tant que l'Ipanko arrive là-dedans, la porte tauba grand ouvert. La porte tauba grand ouvert. Donc, nous ne pouvons à aucun moment pour perdre l'espoir à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans ce hadith-là, hadith Qudsi, Inna kama da'outani aussi longtemps qu'il te peut invoquer moi, wa raja'outani, et te peut garder l'espoir au moi. Puis c'est quand l'espoir de Allah, Allah Ta'ala, un exemple de nous. Quand vous ouvrez le Coran, qui premier verset vous trouvez? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça dit suifat là. Dans Allah Ta'ala, ce ban suifat, ce ban attribut, il y a beaucoup.
Et là, dit à l'aïna 99 attributs basant le hadith. Non. Dit bon, mal comprend le hadith là. Hein? Ce n'est pas le sujet, mais Allah il a plus 99 noms. Walillah il asma ul husna fad'uhu biha. À Allah appartenir les jolis noms. Il faut qu'Allah passe au ban joli noms. Dans tout ça, ban nom qu'Allah est là, Allah choisit pour mettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim, tous les deux peuvent montrer Allah Ta'ala ce Rahmat qui est vaste. Il y a une différence entre les deux, mais ce n'est pas une utopique. En tout cas, les deux attributs peuvent montrer Allah qui Allah ce Rahman est vaste. Li, vraiment vaste. Allah subhanahu wa ta'ala même dans le hadith Qudsi dit Inna Rahmati sabaqat ghadabi. Mon Rahmat li dépasse mon colère. Mon Rahmat li dépasse mon colère. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam trouve une madame après une expédition. Une madame prisonnière parmi les koufars qui finit d'être capturée. Une madame pas tuée. Parmi une madame qui est prisonnière finit d'être capturée. Et trouve une madame qui peut affoler. Comme si l'une peut dire quelque chose. Après, il finit de trouver des enfants. Il finit de commencer à aller de ses enfants. Là. Ben sahaba, il dit à un sahaba, il dit que c'est sa scène là, de loin. Il dit à un sahaba, comme ça. Je pensais que sa maman là, il est capable de ses enfants là, de differ. Ben sahaba dit non, ya Rasulallah. Sa maman n'a pas pour cas, il dit à il dit Allah, il n'a plus rahmat pour se serviter qu'un maman, il n'a plus ses enfants. Alors, Rabbul Alamin, ce rahmat est vaste. Il ne fallait pas qu'il nous moque l'espoir, perdre l'espoir, ou Allah non. Il ne fallait pas que Shaitan fasse nous perdre l'espoir ou Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, invoque Allah, demande-toi avec Allah, et Allah vous parle de nous. Et Allah ta'ala, il vous parle de nous. Et là, surtout, dans le mois de Ramadan, quand vous trouvez un verset concernant Ramadan dans le Coran, dans le Surah Baqarah, vous trouvez au milieu Allah ta'ala cause concernant le dua, invoque-le. Veja, ça, un grand ibadat, et surtout dans le mois de Ramadan, et dans un moment spécifique, comment dans les iftar, nous tout connaît, la troisième tiers de la nuit, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala lui parle de nous. Et ça, plus grand quelque chose qui nous a demandé ça. C'est Allah lui parle de nous, et il fait nous rendre dans la jannat sans qu'il nous rende dans l'enfer. Et il protège nous contre la punition de Qabar et la punition qu'il y a d'Akhirat. Donc, Allah ta'ala dit aux enfants Adam, aussi longtemps qu'il te pour invoque moi et te pour demande moi te pour et dans l'espoir au moins rafar tout le moi pour pardonne toi peu alama kana minka peu importe ce que tu fin faire voilà ou bali et moi pour casser tête ça pas affecté Allah tout on fait péché on fait ou même dit tout ça n'est pas affecté Allah subhanahu wa ta'ala al nous insan nous quand je fais nous quelque chose nous difficile pour pardonner insan tu as tué ça qui est l'inferme du tout, pas facile pour ou ça nous dire oui, pour I will forgive, but I will not forget, mais pour pardonner, mais c'est pas pour oublier. C'est un dialogue ça, hein? Hein? Forgive, but not forget, pardonner, mais pas oublier. Ça, c'est une sorte de ça. Allah Ta'ala, il va juste pardonner, il est capable sans une mauvaise action qu'il nous fait faire en bonne action. Ça, c'est Allah sur Rahmat ça. Mauvais action là, Allah n'est capable de faire sans avoir une bonne action. Donc, Allah Ta'ala paie de nous l'espoir, Allah paie de nous aussi longtemps qu'il te peut invoquer moi. Et tu me gardes l'espoir au moins, moi pour pardonner toi et moi n'a pas pour casser. Allah dit Yabna Adam, aux enfants Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء, aux enfants Adam, si ton ban péché atteindra ban nuage dans le ciel, ثم استغفرتني. Ensuite, tu dis, demande-moi pardon. Rafar Toulak. Moi, pour pardonne-toi. Aussi longtemps qui, aux enfants Adam, si tu as un péché, atteindre les cieux, veut dire, nuage dans les ciels, tu m'as tarfartani. Ensuite, tu dis, demande-moi pardon. Rafar Toulak, moi, pardonne-toi. Sa quantité, péché-là, tu es capable de faire remplir sa dunya-là avec péché. Allah dit, beaucoup pardonne-toi. Même si tu fais ça quand c'est passé là, beaucoup pardonne-toi. Donc, frère et sœur en islam, il ne fallait pas qu'il nous décourage. Il ne fallait pas qu'il nous décourage. Quand même quand c'était péché. Quand même quand c'était péché qu'il nous fait faire. Oui. Taouba, quand nous demande pardon avec Allah, il a souvent une condition. Parmi la danse, c'est qu'il a le regret. On fait ça péché là. Il y a un remous dans l'équerre. Mais l'équerre fait mal. Mon fait sa péché là. Oh Allah, malgré tout,
C'est sa qualité, avec sa qualité qui est là, que nous venons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. En même temps, nous péchons haram, astaghfirullah, astaghfirullah. Non. Veut dire, avec l'équerre, dans sa équerre là, il y a un regret. Hein, dans le hadith mentionné, le regret, c'est le pardon, là, ça. Dans ce sens-là, hadith là, le regret, c'est un tawbah, là, ça. Veut dire, une condition de tawbah, ça. Veut dire, nous avons un regret. Nous avons l'équerre lourde qui nous fait ce péché-là. Et ça fait nous douleur quand nous imaginons ce péché qui nous fait une faire là. Ensuite, nous faire une détermination qui ne pas pourrait faire ce péché-là. Quand nous pédimons pardon, nous sommes déterminés pour ne pas refaire ce péché-là. Et aussi, nous arrêtons ce péché-là. Nous ne pas continuer à faire ce péché-là. Un exemple. Faire comme dit Ndimoun, disons, les prend intoxicants. Les prend intoxicants. Un exemple, Allah protège-nous. Et protège nos familles et tous musulmans. Un démon les prend intoxicants. Alors, astaghfirullah, moi, je fais ça. Astaghfirullah. C'est moi, dans ce lequel, il peut penser, il y a un bon moment, je fais passer. Hein, tu bien. Non, il ne fallait pas qu'il soit content quand il peut passer une sacrée de choses. Et en même temps, il a une détermination qui moi pourrait faire ça en cours. Et non pas, il y a encore un peu intoxicant, et tous les jours, il fait Stéphane, et il peut continuer à être intoxicant là. Non, il besoin arrête de faire péché là. Et être déterminé pour ne pas refaire. Et il y a un regret pour sa péché qu'il finit faire là. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux enfants Adam, Allah peut dire moi avec où? Et nous tous, kullu bani Adam khattar, tous enfants Adam font beaucoup péché. Wa khayrul khattaïn et meilleur de ban qui fait erreur, ban qui fait péché, c'est ban qui fait tawba. Meilleur, tous enfants Adam font erreur. Donc, Yabna Adam, Allah t'adresse moi, qui fait beaucoup péché. Allah t'adresse où, qui nous fait beaucoup péché, nous tout. Yabna Adam, laubal raddunubu ka'anan as-sama, aux enfants Adam, si tu ban péché, vin, quand vin atteindre le nuage, par contre, si tu es péché qui nous fait faire, thumma astaghfartani, ghafartu lak. Et ensuite, tu dis, man ma pardon, ma pardon, toi. Yabna Adam, innaka law ataitani bi qurab al-ard khataya, aux enfants Adam, si tu fin te fin vin avec moi, avec un latte en entier rempli avec péché, latte en entier rempli avec péché, tu vin avec moi avec sa quantité de péché là, et te fin joindre avec moi, mais tu es mort, tu es joindre avec moi, la tushrik bi shay'a, et tu n'as pas fin associé avec moi, la taituka bi qurabiha maghfiratan, sa quantité la même pardon pour venir avec toi, c'est moi une condition. La touche bi n'a pas associé avec moi. Ça, comment Ibn Rajab le dit ici là, une place le dire parmi ban condition qui ban cause ban asbab ban cause ban facteur qui fait nous gagner Allah ce pardon, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah. Wa huwa sababul a'zam, ça même plus grand facteur qui fait un dimoun gain Allah Ta'ala ce pardon. Tawhid, protéger sa tawhid, la laisse à l'équerre, sa l'unicité d'Allah, n'a pas associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous pourrez remarquer, et il est tellement important, nous, les tibons qui, on va pas connaître, les tibons qui nous causent peut-être si nous finissons faire ça, un hadith là, nous à cause de sa sujet tawhid la même, vous trouvez dans l'enseignement de Coran et Sunna, l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement du prophète, les enseigne nous pour préserver tawhid et tout ban kitseuse qui peut amener vers les contraires, l'infiali haram. Allah fait shirk haram et tout ban moyen qui peut amener vers shirk, Allah fait bin haram. Un exemple, ou fait un qabar haute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de hadith, fin donne l'autre pour faire un qabar plate. Et pour ne pas construire le ban qabar. Qui fait? Parce que quand nous faisons ça ne pas mener vers le shirk. C'est ban la peau vers le shirk. Alors, l'islam empêche ça quelque chose là. Et c'est ce qu'on appelle cette de dharaïa. Blocking of means. L'islam, dans la philosophie de l'islam, dans la loi islamique et dans sa principe là,
une quitteuse, quand il y a même une quitteuse qui est haram, sa quitteuse l'aime, sa moyenne la même, il est décrété comme haram. Un principe général, dit comme ça. Une quitteuse qui amène vers haram, en général, sa quitteuse-là dans les mêmes livres haram. Donc, sa tawhid, sa l'unicité d'Allah, fallait pas à aucun moment l'y être bréché. Ça. Fallait pas avoir une petite trace de shirk dans les kènes du monde. C'est même qui pouvait faire ça du monde, la gaye pas, donc ça. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah n'y n'a pas pardonné qu'il y ait du monde associé avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais il pardonne autre que ça pour celui qui l'a envie. Donc, il ne fallait pas qu'il ne tombe dans le shirk à aucun moment. Le diman avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous trouvez ici des hadiths-là encore clairs. Comme il y a des hadiths qu'on trouvait avant. Allah ta'ala peut dire, peut adresser avec nous aux enfants Adam. Inna kama da'outani. Aussi longtemps qu'il te pour, invoque-moi. Aussi longtemps qu'il te pour, invoque-moi. Peut-être nous pouvons invoquer Allah lui-même. C'est-à-dire, doua, est-ce que c'est ribada ça? Est-ce qu'il doit, c'est un ribada ça? Oui, frère, c'est en islam. Doua, c'est ribada. Et toi, tout ribada, bien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui prouve qu'il doua, c'est un ribada? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, dans le musnad imam Ahmad, inna doua, huwa l'ibada. Et dans l'autre narration qui trouve dans le Tirmidhi qui mentionnait, doua, mukhu l'ibada. Doua, c'est cerveau, c'est l'essence de ribada. Mais ici, dans le hadith qui est dans le Musnad d'Imam Ahmad, An-Nu'man bin Bashir, il dit que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit Inna du'a huwa l'ibada. Du'a, certainement du'a, c'est un ribadat là ça. D'ailleurs, plus grand ribadat qu'Allah prescrit pour nous, c'est salat. Le mot salat dans la langue arabe qui veut dire Le mot salat dans la langue arabe veut dire du'a, supplication. Le mot salat dans la langue arabe veut dire du'a. C'est l'origine de la langue arabe. Donc, ad-du'a huwa l'ibada. Du'a, c'est la même ibadat là, ça. Ensuite, le prophète, il lit un verset, il vient de sa parole là. Et il retrouve dans sa verset là, comment Allah peut montrer nous qu'il du'a, c'est la même ibadat là, ça. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, ezot rab fin dir, ud'uni astajib lakum. Invoque-moi, moi, pour répondre, je te l'appelle. Ya Rab, Allah me dit à nous, Oud'ouni, invoque-moi, tout de suite Allah dit, Astajib lakum, moi pour répondre, je te, invoque-moi, demande avec Allah, Iyaka na'bud, c'est tout seul qui nous adorait, wa Iyaka nasta'in, avec tout seul nous cherche aide, Oud'ouni, Astajib lakum, après Allah dit, Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, sayadkhuluna jahannama dakhirin, banki, Faire takabbur, je le fais arrogant pour faire mon ribadat. Je pourrais rendre Jahannam humilié. Quel est-ce là? Invoque-moi pour répondre. Et ban qui fait takabbur, fait l'arrogance par autre faire mon ribadat. Védiat doua, vous trouvez les liés? Védiat doua, c'est ribadat. Ban qui pas fait mon ribadat, ban qui pas invoque-moi, je pourrais rendre Jahannam uniquement. Ban qui pas invoque-moi uniquement, je pourrais rendre Jahannam humilié. Donc, Ad-du'a, c'est al-ibada. Et comment nous venons dire, c'est même plus grand facteur qui fait un djimoun, qui fait un djimoun, gain Allah ta'ala, ce pardon ça. C'est al-tawhid. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths qu'il y a, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Thumma laqitani, la tushrik bi shay'a. Te fin zone avec moi et te pas fin associé avec moi. Te fin zone avec moi, ben, te fin mot, te fin côté moi. La tushrik bi shay'a, tu pas fin associé avec moi. Alors, la ta'iduka bi qurabiha maghfiratan. Comme ça, je vais venir avec toi. Avec quantité de péché qui t'en vini, c'est quand tu l'aimes, je vous donne toi pardon. Alors, ça, c'est l'importance qui nous garde sa tawhida dans l'équipe. Nous terminons avec un hadith. Toujours mettre l'emphase dans ce hadith. Ça nous peut apprendre là. Qui nous besoin invoquer Allah, nous besoin faire doa tous les jours. Hein? Comment un tabiri al-Hassan al-Basri lui dit because de l'istighfar demande pas l'eau akfiru min al-istighfar fi buyutikum fait beaucoup istighfar dans la case wa ala mawaidikum le jeu de la table que je peux manger wa fi turukikum dans votre chemin que je peux manger wa fi majalisikum aynama kuntum dans la place que je peux assiser quand je l'étais fa innakum ma tadrouna ma ta tanzilu al-maghfira
parce que je ne sais pas connaît quand Maghfirat pour descendre l'eau zut. Un frère peut faire dua, dire Amin, qu'Allah Ta'ala pardonne nos péchés, Amin. Alors, on veut dire que, frères et sœurs en islam, nous devons servir chaque occasion pour dire Allah Ta'ala pardonne. Nous servir chaque occasion. Voilà, nous tenons un hadith pour mentionner, oui. Concernant le dua, ce hadith-là, quand Allah Ta'ala peut dire aux enfants, Adam, si tu fais un péché, tu viens avec moi, tu dis moi pardonne-moi, pardonne-toi. Mais dire Allah Ta'ala peut dire nous, dis-moi, invoque-lui. Et nous connaissons le hadith. Quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionné les descendants du dernier les cieux, le troisième ciel la nuit, Allah va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut demander pardon, mais vous pardonnez-lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour demander pardon, mais vous accordez-lui? Allah peut dire avec le serviteur, demande avec moi, mais vous accordez-lui. Et quand un demande fait droit, nous avons trois possibilités. Nous avons ces trois possibilités-là comme résultat de cette droit qu'il fait là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. Le musulman, il n'y a aucun musulman qui fait un dua dans lequel de sa dua là, il n'y a pas péché ni il n'y a casse relation. Il y a un monde qui fait un dua, mais il fait un dua pour quelque chose qui péché. Il peut dire quelque chose qui a péché ça. Non. Ou bien il fait un dua qui dans sa dua là, il invoque Allah pour qu'il arrête de relation avec telle famille, casse relation. Le prophète qui dit, il n'y a aucun musulman qui peut faire un dua, qui dans sa dua là, il n'y a péché là-dedans, et il n'y a casse relation familiale, il n'y a casse relation familiale là-dedans, excepté qu'Allah peut donner un de trois kitsus. Il y a trois possibilités. Imma yu'ajjil lahu da'watahu. Soit Allah accorde-lui rapidement ce dua, soit Allah ta'ala, donner de sa dunya l'âme, c'est qu'il finit demander. Ou il dakhiruha lahu fil akhirah. Ou bien Allah Ta'ala lui réserve sa quelque chose pour l'île d'akhirat. Ou imma an yakshifu anhu min as-su mithlaha. Ou bien Allah pose sa dua là, Allah lui épargne lié avec le mal. Donc, on peut pas demander un dua, on peut demander une quelque chose, on peut bien une quelque chose, on peut trouver sa quelque chose bon pour, et puis il y a un péché dans l'île là-dedans. Alors, Allah Ta'ala lui connaît lui qui ça. Qui ne l'a pas pour bon pour vous. Allah n'est pas pour de nous. Parce qu'Allah vous le dit bien pour vous. Pareil comme un enfant qui lui demande son papa sauvé. Mais seulement son papa connaît, là, tu parles sauvé, tu parles malade, là, il n'est pas de lui. Pas la cause, il n'est pas content. Lui. Donc, soit Allah, il n'est pas à cause de sa demande, il garde ça pour akhirat. Récompense de sa dua, Allah, il garde dans akhirat. Ou bien Allah, il enlève depuis sa demande là, un bala, pour sa dua qu'il est fini là. Ou bien Allah Ta'ala accorde ce qu'il finit demander de sa dunya là. Donc un djimoun à aucun moment n'est pas perdu quand il demande dua. Et aussi, il ne fallait pas qu'un djimoun soit pressé. Quand un djimoun peut faire dua, il n'est pas payé quelque chose qu'il peut. Il ne fallait pas qu'il soit pressé. Parce que l'empressement lui empêche de dua accepter. L'empressement lui empêche de dua accepter. Et aussi, quand un djimoun fait dua, il a besoin de ce qu'Allah accorde. Oud'u Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Oud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demande avec Allah et demande avec Allah pour qui demande avec Allah subhanahu wa ta'ala et je te sire et la yakin qu'Allah pour accord je te. Fa inna Allah la yakbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Parce qu'Allah n'a pas pour accepter un dua de bien l'équipe qui ghafil, qui négligent. Et un léquier qui distrait. Donc, il y a yakin qu'Allah pour accepter sa dua là, et un léquier qui. Allah n'est pas accepté un dua qui fait avec un léquier qui négligent. Mais un djimoun est bien concentré dans ce dua. Il est bien concentré dans ce qu'il peut dire. Donc, un djimoun, il peut dire une formule, il ne peut pas connaître qu'il peut dire. Il est bien connaître qu'il peut dire, un dua qu'il apprend, il fait un effort, apprendre une signification. Donc, voilà, frère et soeur en islam, un petit peu concernant. Ce hadith-là, et nous demandons à Allah Ta'ala, dua qu'il fait nous, vienne parmi sa serviteur qui constamment se plaint avec lui, se tourne vers lui, vienne qu'Allah fait nous, vienne parmi sa serviteur-là, qui tous les temps constamment se demande avec Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah est content quand nous demandons avec lui. Et qu'Allah Ta'ala, lui fait nous bénéficier. Inch'Allah, demain, nous terminons avec Arba'un al-Nawawiyya. Demain, nous commencerons un hadith qui, Imam Rajab, vient ajouter. Nous avons encore 8 hadiths, Inch'Allah. Il y a encore 8 hadiths qu'Allah Ta'ala donne nous la santé.
pour nous passer nos Ramadan, pour nous compléter Saban jour qui est resté, reste la moitié, ne finit aller, reste encore très peu de temps. Qu'Allah donne nous la santé, courage, pour nous faire encore plus d'efforts, pour nous servir chaque seconde, chaque instant dans Allah Sori Badat. Qu'Allah donne nous contrôle le nous léger. Qu'Allah lui fait nous léger aussi, God Rosa. Veut-dire nous léger, restreindre. As-Siyam, c'est quoi? As-Siyam, dans la langue arabe, c'est Al-Imsak. To restrain from something, nous retenir nous des peines quitteuses. Veut-dire nous retenir nous depuis manger bois. Mais ce n'est pas juste manger bois. Nous devons retenir nos regards depuis haram. Nous retenir nos oreilles depuis tant de bonnes quitteuses qui haram. Nous retenir nous la langue depuis cause bonnes quitteuses qui n'a pas bon, qui peut avaler, qui fait pas faire la plaisir. Donc, Souyam, nous devons amener ça dans nous. Donc, qu'Allah donne nous la santé et les fait nous faire doua tout le temps avec les tout seuls. Allah protège sa tawhid, sa l'unicité, sa iman dans lui uniquement là. Qu'Allah protège ça dans l'équerre. Allah fait nos mots, l'eau sur l'unicité. Allah fait nous revivre parmi les mouahidines le jour du Qiyama. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.